me suis dit que j'allais commencer à anticiper le déconfinement et à fabriquer quelques masques réutilisables et lavables avec un petit filtre à l'intérieur. Donc je garantis pas que ce soit tout aussi efficace que ces masques, les fameux FFP2 ou je ne sais plus, enfin bref, il y a des codes qui font que l'efficacité est plus importante. Mais je pense que pour un usage lambda comme ça, du quotidien, ça peut quand même être mieux que rien. Du coup, j'ai sorti mon cadeau d'anniversaire. Donc là, maintenant qu'elle est montée, eh ben, écoutez, je vais commencer à préparer au moins un masque. Je vais m'exercer sur un masque. J'espère que je vais pas me foirer parce que ça me foutrait les boules. Du coup, le tissu que j'ai choisi pour faire ce premier masque qui sera prétendument le mien, j'ai décidé que ça allait être un bandana. Un joli bandana tout rouge parce que je trouve que c'est beau, mais que j'ai pas vraiment l'occasion de le porter dans les cheveux, ce truc. Donc je me dis que tant qu'il y aura confinement ou même s'il y a maladie un jour, ça pourrait être toujours pratique d'en avoir un, et puis en plus s'il est joli, ça va rien enlever à notre plaisir. Donc là je viens de découper 20 cm sur 17 dans un bout de tissu. Alors normalement c'était un seul morceau de tissu dans le tuto que je suis en train de suivre qui nous disait de faire, mais moi j'en ai pris deux morceaux parce que je compte justement renfermer le masque avec le morceau de filtre à l'intérieur. C'est moitié tuto, moitié impro, j'espère que ça va bien le faire. Mais bon, déjà pour le découpage et l'installation machine, on est bon. Bon, on va dire que j'ai réussi à faire mon premier ourlet, ma première couture. Du coup maintenant, il va falloir qu'avec la règle, je mesure 5 cm, que je réalise un pli, et ensuite je compte 3 cm et je réalise un autre pli. Je crois qu'il y en a peut-être un autre, mais c'est pas sûr. Putain, vous avez vu ce que je viens de faire? Et sérieusement, j'en ai marre. Je viens de me brûler toute la housse. Quelle idée aussi de repasser ça là-dessus, je vous jure. Parce que du coup, j'étais en train de vous expliquer là juste avant qu'il fallait mesurer 5 cm, faire un petit pli avec environ 1 cm de décalage, 3 cm, 3 cm, 3 cm. Mais en fait, ces plis, vous devez les repasser. Comme j'ai aucune idée de là où se trouve ma planche à repasser, et je me suis dit, je vais faire ça là-dessus. Oh là là, je vais péter les plombs. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai l'impression que c'est le bordel dans la machine. Ouais, en vrai, j'ai compris en fait pourquoi est-ce que ça marche pas. Quand tu coupes le fil que t'as fini de coudre une première fois en fait, il faut que tu remettes apparemment le fil du haut dans l'aiguille et que tu réenclenches ta machine si tu veux recoudre. Sauf que là, c'est ce que je viens de faire. Et je sais pas pourquoi j'ai perdu un fil. Nom de Dieu. J'en ai bien deux là pourtant. Je comprends rien. Je suis sûre que ça va faire sourire les couturières au moins. Là, j'ai réussi à faire ça déjà. Avec les bandes, ce que je compte faire après, c'est mettre l'élastique vers ici et replier ça, vous voyez, en attache de l'autre côté. Comme ça, ça fait quand même un peu propre visuellement. Alors au magasin tout à l'heure, j'ai demandé à mon chéri qu'il me ramène vous savez, des espèces d'élastiques pour justement mettre derrière les oreilles, parce que je trouve que c'est plus pratique que ces espèces de bandelettes rigides là qu'il faut nouer. Du coup il en a pas trouvé, mais par contre il m'a dit si tu veux on peut prendre des kiki. Donc il m'a pris ça. Pour ce masque, je pense que je vais utiliser les élastiques jaunes. Il me dit qu'il les a un petit peu essayés là pour voir si ça pouvait le faire, et apparemment oui. J'espère que ce sera pas un flop, un nouveau flop. Putain, moi j'ai l'impression que ça va pas marcher. C'était pas une bonne idée. Je sais pas ce que je dois faire. Mais quelle blague. Je me retrouve avec un truc, mais je sais plus quoi en faire. Parce que ben, je pense que c'est pas une bonne idée, ces élastiques. Ouais, peut-être à la limite, si je les détends légèrement. Mais on aura toujours ce même problème. Regardez les oreilles que ça va me faire. Ah ben, je m'en fous, j'essaye quand même. Ah non, c'est pas le moment. Je suis en train de me rappeler que j'avais même acheté des filtres pour faire un truc high-tech. La meuf, elle est même pas capable de faire un masque ordinaire. Elle commence déjà à se lancer dans du high-tech. Bien, très bien, très bien. De toute façon, foutu pour foutu. On va aller jusqu'au bout. Ça, c'est le filtre du coup que j'étais censée mettre dans le masque. On va le faire à la va-vite, j'en ai plus rien à foutre. Là, je l'ai posé et tout ça croque. Je vais découper. Voilà, donc je le pose là une fois que ça a été découpé, puis je vais essayer de le farcir en gros avec ça par dessus. Mais là il faut que je refasse un ourlet, pas le choix, puis je vais essayer de le refermer. J'en pleurerai, je vous jure. Est-ce que vous voulez savoir ce que j'ai fait? J'étais contente, je disais ça y est, j'ai enfin réussi, ça va rendre bien et tout. J'ai bien réussi à farcir mon masque. Sauf que y a pas un truc qui cloche là? J'ai fait la connerie de coudre ça. Alors que ça, c'était pas censé être cousu maintenant, c'était censé se retourner. Non, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et là, je viens de détacher la mauvaise couture. C'est cuit. Je sais pas ce que j'ai trafiqué. Non, mais c'est n'importe quoi. Ça m'embête parce que c'était bien parti, n'empêche. Il y avait moyen de faire un truc bien. C'est un méchant fail. C'est un méchant, méchant fail. Je vous jure, je vais pas me laisser faire. Possible d'être aussi con, possible. J'en ai plus rien à foutre.
Allez, tu veux être comme ça? Bah, très bien. Tac, allez, tu sais quoi? C'est sûr, je pleure, c'est sûr. C'est sûr, je pleure. Tu la vois, cette couture? Tu la vois, la régularité? Bon, ben, on va tenter de refermer ça, du coup. On va laisser un petit espace, comme ça, on fera passer une ficelle ou quelque chose. Vas-y, c'est bon, vas-y. J'ai réussi. Oh, merde, il va se ramener l'autre. Pourquoi c'est même pas droit? En vrai, je sais pas ce que j'ai fait. Lave, on dirait. Ah, tant mieux. Allez, va. On va le faire rire un coup. Après, je coupe cette caméra. Je me douche, je me couche. Rentre. Allez, ça me rend démoniaque, ça. Moi, j'ai envie de dire des gros mots pour me soulager. Mais voilà. C'est n'importe quoi. Bon, bah, je crois qu'on est unanime, hein, le masque. Je crois que je vais les acheter à quelqu'un, c'est sûr même. Allez, je vous laisse tranquille sur ce. On se dit bonne soirée, bonne nuit et à bientôt dans un prochain vlog.